Hello la Sporty Team, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui car ça sera défi abdos. Yeah, Sporty Team, today it's gonna be abs challenge. On va commencer avec une séance débutant et on en enchaînera 4 autres. Crescendo, on va monter le level. Yeah, step by step, we are gonna get high level of abs workout. Let's start. Allez, 1, 2, 3, et c'est parti. Donc on commence ici avec un petit gainage planche sur les genoux, histoire de se chauffer. So, just to start, we are gonna do a plank, but on the knee, just to start slowly and warm up. Don't forget to put the belly in the right position. Okay, now we change. Allez, on change. Le ventre bien contracté. Et on décolle une jambe puis l'autre. Yeah, the belly. You should always think about your belly. And then lift one leg and the other one. Next one. Allez, on passe en planche sur le côté. Plank, side plank, on the knee. Toujours sur les genoux. Toujours sur les genoux pour découvrir correctement la position pour un débutant. Et dans le cas présent, pour se chauffer, car on va monter crescendo. Step by step, we're gonna go in the levels. Making harder the abs. The other side. Allez, on change de côté. Voilà. Épaules, bras sur l'épaule, corps bien aligné. Always the hand under the shoulder and all the body in the same line. Change. Ok, on pédale. Bicycle. On reste ici en position gainage. Si c'est trop difficile, voilà, les pieds bien ancrés dans le sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez allonger les jambes. This position is fine. I mean, if it's too difficult, you can just have the leg along. Opposite arm and leg up. On lève le bras et la jambe opposée. Corps bien gainé. Always single core. Voilà, cet exercice, c'est une sorte de Russian twist, mais plus facile. De nouveau, si c'est trop difficile, vous pouvez tendre les jambes. This is a kind of Russian twist, like the easiest way to do it, to learn. On vient bien de chaque côté. Ok, second one. Cette fois, on passe sur un Tabata. De nouveau, 20 secondes, 10 secondes, mais un petit peu plus difficile. Now it's gonna be another Tabata. Work 20 seconds. And rest 10 seconds, but a little bit harder. You will see.
On passe en gainage levée de jambes. Marching plank. À présent, planche latérale et relevé de bassin. Side plank lifts. We start with one side and then we'll do the other side. And up, and up. The other side. Allez la team, c'est bien. Il est évident que ce challenge est par rapport à vous. Si vous êtes déjà challengé jusqu'à présent, vous pouvez arrêter et être très fier de vous. Si vous vous sentez de continuer encore, alors allez-y la team. Ne lâchez rien. It's up to you. If you feel you work a lot, you challenge a lot, you can stop now. If you feel good, please keep doing. Ok, cercle assis dans un sens. Et ensuite dans l'autre sens. Seated cycles. One direction. And then we'll do the other direction. Ninety crunches. Go. Alors, ces exos, on les appelle les Russian V-Tuck Twists. En clair, on lève le bras et le genou opposé. Allez, à présent, mountain climber. Vous pouvez les faire sur les mains. Pour ma part, j'ai fait sur les coudes. You can also do it on the hands instead of the elbows. It's up to you. The important is to do it. Okay, now abdominaux portefeuille. V-ups. Yeah, go, 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 go. Perhaps you are suffering, but it's good. I mean, it's a good suffering. Go, the team, go. Yeah. That's it. You make it. Bravo. Allez, hop, on enchaîne. On va faire des crunchs en se relevant et les mains sur voilà, les mains frottent, enfin remontent le long des jambes, du haut des cuisses. Ok, the hands on the upper legs. It's a kind of crunch. And now we're gonna work the heat.
30 seconds work and 10 seconds rest. On va travailler standard HIIT. 30 secondes de travail, 10 secondes de repos. Et on enchaîne. C'est bien la team, c'est très bien, on lâche pas, on est là. Allez, on déroule. Ok, balançoire. And swing. Allez, on groupe. Knee to the chest. Marching plank, planche avec les jambes, mais cette fois on est vraiment sur les coudes. On reste bien gainé. Keep doing, keep doing. Okay, cycle. Allez, on fait un cercle. Enfin, on fait des cercles d'un côté et puis on fera l'autre côté. Attention au cervical, on ne tire pas sur la nuque, on regarde bien le ciel ou le plafond, on relâche la cervicale, très important. Okay, let's go to the other side, change direction, and watch out not to hurt your neck.
Yeah. Ok, quatrième. Pour Antoine. Maintenant, on va travailler 45 secondes et on se repose 15 secondes, toujours sous forme d'un tabata. We are gonna work 45 seconds and rest 15 seconds. So it's always higher, the level is always higher. Allez, on monte en rythme, en niveau. Et on lâche pas la team. Très important. Si comme moi vous souffrez, tenez bon. Dites-vous que c'est pour la bonne cause. Allez, battement de jambes, flutter kicks. Non, en fait, c'est plutôt des ciseaux. Ciseaux. Flutter kicks, ça sera pour après. Allez, c'est l'essuie-glace. Whippers. Crunch and twist. On fait un crunch et on tourne. Allez, le coude au genou, elbow to knee touch. Thank you.
Allez, cette fois, on part sur les battements de jambes. Les fameux flutter kicks. C'est bien la team, allez on se prépare, la centaine. C'est des tout petits abdos, tout le fait qu'on parle d'en faire 100. The 100. Go, 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 go. Small, fast, and making some first dollars. No, it's okay, I mean, they are fine. They work properly well. You should do that. They are really nice. Still think about the neck. Not too hurt. On pense toujours à sa nuque cervicale pour ne pas se faire mal. Allez, le petit dernier, planche. Là aussi, vous pouvez les faire sur les mains. Last one for this session, this workout. It's the plank, the famous plank. Yeah! Allez! Cinquième! Cette fois, c'est du non-stop. On va enchaîner d'abord les obliques, ensuite le milieu et le bas des abdos. Now we're gonna make non-stop abs, except 30 second break between obliques and middle and lower abs. So congratulations, if you are still there, that means that you are really motivated and you want to challenge yourself like crazy. Félicitations, si vous êtes toujours là, si vous en voulez, vous l'allez au bout, vous défiez et c'est juste super. Je vous félicite pour ça et je vous encourage à continuer, c'est juste top. Allez go la team. C'est la dernière ligne droite. Yeah, go, 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 the team! Final push!
On repart sur des exercices déjà vus, mais avec toujours plus de difficultés et surtout celle d'enchaîner. So, indeed, as you can notice, we are doing exercises that we have already done previously in this workout, but this time with some additional difficulties. That's the interest. Ok, on change de côté. Challenge side. Allez, on repart. This time is really the final part. Don't give up, don't give up. Keep doing, keep doing. Allez, la team. C'est pas le moment d'abandonner, vous allez être encore plus fiers de vous. On part vraiment sur cette dernière séquence. Et après, c'est fini, c'est la satisfaction. Allez, on descend bien, mais pas trop bas, on doit toujours voir ses pieds. Get down, but not too low. You still have to see your feet. Ok, to the middle, to the middle. Juste au milieu.
Allez, allez, allez. Les derniers efforts. One leg, the other leg, and both legs. 21. Ok. On lève une jambe, on lève l'autre jambe. Et on s'arrache, on lève les deux jambes en portefeuille. Yes. Allez, 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 allez. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Allez, des tout petits, very small. C'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Last but not least, yes! Bravo! Congratulations! N'oublie pas de liker, de commenter et de vous abonner en cliquant sur ma tête.